Eddie Stone Olomide sort de son silence et s'exprime sur sa relation avec son père, Kofi Olomide. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais tout expliquer à quelques secondes. Eddie Stone Olomide est revenu sur ses relations avec son père, Kofi Olomide. Elle était interrogée sur ce sujet lors de son passage dans une émission diffusée sur la plateforme YouTube. Pour résumer ce qui s'était passé avec son père, Eddie Stone s'est illustré par des clashs vis-à-vis de son père qui s'est séparé de sa mère Aaliyah. Cette séparation coïncide avec le rapprochement de plus en plus visible du grand Mopao avec la chanteuse Cindy Lecœur. Des rumeurs parlent même d'une officialisation de leur relation amoureuse. Interrogé au sujet des relations entre elle et son papa. Écoutons sa réponse. Une fille à papa, on a toujours été complices et tout ça. Maintenant, moi aussi, hein, ça fait mal, c'est désolant et tout ça. On est comme on est, mais l'amour est toujours là. Je continue, bien évidemment, c'est mon papa, on n'a qu'un seul papa. Je continue de le porter dans mon cœur. Je lui souhaite que le meilleur, je lui souhaite vraiment une paix et tout ce que son cœur désire, tu vois. Mais bon, moi je pense, écoute, j'ai confiance au Seigneur. J'ai confiance en Dieu. Je sais que c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix. Et je sais que il fera les bonnes choses en son temps, tu vois. C'est le maître des temps et des circonstances. Moi, j'ai confiance. Je sais que un jour ou l'autre, ça s'arrangera. On trouvera notre accord. Enfin, le pardon, tu vois. Même si, sincèrement, et là, je pense qu'il verra l'interview. J'ai déjà pardonné. Et j'espère que lui aussi, de son côté, tu vois, parce que le pardon libère et avoir, tu sais, de l'animosité, tout ça, la haine, les disputes et tout, c'est pesant, tu vois. C'est pesant, c'est à un moment donné, c'est tu te dis écoute, je peux pas vivre, continuer comme ça avec un sentiment lourd, exact. Tu vois, dans mon cœur. Donc à un moment, tu dis vas-y, c'est bon, c'est pas grave, ça reste un être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas parfaits. Moi aussi, j'ai mes erreurs, j'ai mes torts. Et puis voilà, ça reste mon père, y a pas de problème. En résumé, Eddie Stone espère que les choses vont s'arranger, même si actuellement, ils sont en froid. Alors n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez dans le commentaire.